Bruxelles. Nous sommes réunis ce jour pour commémorer la mémoire d'Auguste Chabrol, juste parmi les nations. Jusqu'à ce jour, M. Chabrol n'était qu'un nom sans visage. Mais, et depuis peu, grâce au travail patient de ceux qui voulaient le sortir de l'oubli, son portrait, que vous voyez là devant vous, sera accroché sur nos murs. Au péril de sa vie, dans une période terrible de l'histoire mondiale, où certains, au nom d'une supposée supériorité raciale absolue, voulaient exterminer, détruire jusqu'au souvenir d'autres êtres humains, cet homme, M. Auguste Chabrol, s'est élevé contre cette barbarie en opposant ce qu'il y a de plus, en proposant ce qu'il y a de plus humain, la protection d'un autre homme. Il a bravé tous les dangers pour reconnaître et affirmer notre humanité commune. J'insiste, en sauvant M. Smiro de la déportation nazie, Auguste Chabrol a célébré les hommes. Et nous en profitons pour saluer à sa suite Mme Françoise Miro, sa fille, qui, hospitalisée ce jour, n'a pu être ici. Je vais céder la place à deux élèves, Jenny et Hugo. Et Jenny et Hugo, qui vont arriver sur scène, vous qui représentez les élèves de cet établissement, sachez que vos enseignants, vos camarades, nous tous, sommes fiers de vous. Enzo, Johan, Mathilde, Brahima, Julie, Inès, Abdou, Laura, Mouran, Ipsa, Florian, Jean-Karim, Jenny, Hugo. Nous sommes les lycéens de Gustave Eiffel. Nous sommes votre avenir. Nous sommes aussi unis. Nous sommes différents et solidaires. Nous sommes le reflet de la diversité. Nous sommes la liberté. Nous sommes l'égalité. Nous sommes la fraternité. Surtout, nous sommes tous ensemble. Ensemble et unis, grâce au geste héroïque d'un homme qui, face à un système inhumain, mettra en péril sa vie, faisant de nous ses héritiers. Il y a plus de 70 ans, Monsieur Chabrol, vous n'avez écouté que votre cœur. Bravant les lois déshumanisantes de l'époque, vous avez su accueillir, protéger, mais aussi redonner dignité et confiance à un homme, Monsieur Smiro. Entre vous, frères d'une humanité, vous avez échangé, partagé votre amour commun de la littérature et de la philosophie. Monsieur Chabrol, vous avez refusé l'inhumanité, vous vous êtes indigné. Quel exemple êtes-vous pour nous tous et quel honneur que celui de vous rendre hommage aujourd'hui dans notre lycée. Être juste, ce n'est pas suivre uniquement le chemin des lois. Mais c'est obéir à son sens moral. Être juste, ce n'est pas céder à la peur. Mais voir en l'autre son semblable. Être juste, ce n'est pas orgueilleux. Mais c'est être à l'écoute des autres. Être juste, ce n'est pas fuir. Mais c'est faire face à ses responsabilités. Être juste, ce n'est pas un droit. Mais c'est un devoir. Être juste, ce n'est pas être indifférent au malheur des autres. Mais c'est faire preuve d'humanité. Et juste, celui qui prône l'égalité. Nous sommes tous des êtres humains. Les mots qui viennent d'être prononcés ici sont les mots d'une jeunesse attentive à l'histoire et attentive à l'humanité. Ce sont les mots d'une jeunesse aubagnaise, généreuse, altruiste, solidaire. Ce sont les mots d'une jeunesse intelligente. Je tenais à vous féliciter, vous tous, par l'intermédiaire de vos deux camarades qui sont ici. Je souhaitais donc vous féliciter, vous tous, les lycéens du lycée Gustave Eiffel, comme je vous félicite en mon nom et en celui du conseil municipal, les professeurs qui vous ont également aidé à préparer ce très bel hommage 10 ans après celui de vos prédécesseurs. En effet, il y a 10 ans, vos aînés, qui étaient élèves ici même, s'étaient réunis, comme vous aujourd'hui. C'était le 13 novembre 2007. Ce jour-là, la médaille des justes parmi les nations
été officiellement remise à votre établissement, désigné comme dépositaire de la distinction décernée par le comité français de Yad Vashem, et l'État d'Israël est décerné à M. Auguste Chabrol. Auguste Chabrol était comme vous, un aubanier, un ébéniste aubanier, dont le nom figure depuis sur le mur d'honneur dans le jardin des Justes parmi les nations à Jérusalem. Il avait été distingué pour avoir sauvé une famille juive pendant la guerre, et en particulier M. Edgar Smiro, père de famille, qu'il avait caché pendant de longues semaines et de longs mois. Quand il disparut en 1955, Auguste Chabrol n'avait pas de descendants. Et quand l'Institut Yad Vashem décida de le reconnaître comme juste parmi les nations, ce fut votre établissement qui fut désigné comme dépositaire en reconnaissance de l'énorme travail de mémoire accompli par les élèves et leurs professeurs. C'est ainsi qu'en 2007, le lycée Gustave Eiffel devenait et est toujours le seul établissement en Europe dépositaire de cette distinction. Vous pouvez vous applaudir. 10 ans se sont écoulés depuis la mémoire, depuis ce temps, et depuis que la mémoire d'Auguste Chabrol, grâce à votre initiative, cette mémoire est toujours aussi présente dans nos esprits et dans nos cœurs. Elle est d'autant plus présente que pour la première fois, nous pouvons aujourd'hui, grâce à cette photographie, découverte en 2017, mettre enfin, dirais-je, un visage au-dessus du nom d'Auguste Chabrol. Les aubaniers doivent beaucoup à M. Dubois qui a travaillé avec passion aux côtés de tous les acteurs de la mémoire, avec les autorités israéliennes, avec les autorités religieuses, toutes les autorités religieuses, avec le souvenir français, comme également avec de nombreuses associations, dont le précédent proviseur du lycée Gustave Eiffel, M. Jean-Michel Didaillé, comme aujourd'hui il travaille avec Mme Ingrid Berger. La plus haute distinction honorifique délivrée par l'État d'Israël et des civils, dont vous êtes les dépositaires aujourd'hui, les lycéens de Gustave Eiffel. Au 1er janvier 2016, 25 271 justes parmi les nations de 46 pays ont été honorés. La Pologne, les Pays-Bas, la France sont les pays dont les citoyens ont été le plus médaillés. Et pourtant, en 2013, sachez qu'il n'y avait en France que 3 500 justes. Et pourtant, on estime à 200 000 le nombre de personnes qui ont été sauvées. Cela signifie tout simplement que de nombreux Français anonymes se sont comportés en justes, sans que jamais on ait su ce qu'ils avaient fait. Je soumets à votre réflexion la phrase d'Henriette Tracol : « Nous sommes tous des justes en puissance, il suffit de le vouloir. » Merci. Chers amis et surtout à vous, chers élèves. Alors, ce n'est pas une cérémonie banale à laquelle nous assistons aujourd'hui, ce n'est pas une cérémonie banale que nous vivons. Et avoir à la fois les jeunes, ceux qui porteront la France de demain, avoir avec nous les derniers anciens, madame, ceux qui peuvent dire « j'y étais, j'ai vécu la barbarie ». Ce n'est pas un moment, j'allais dire, aussi banal que cela. Et puis nous les adultes, qui avons vocation à essayer de transmettre un peu cette histoire, car cette histoire est une obligation. Cette histoire est une obligation, et à travers Auguste Chabrol, c'est une page d'histoire que nous devons porter ensemble. Et de féliciter Yad Vashem, qui fait un travail exceptionnel. Oserais-je dire à tous vous, à tous les lycéens qui sont ici, un jour aller en Israël, un jour visiter les lieux de mémoire de la Shoah en Israël qui portent cette mémoire lumineuse. Aller visiter la place des Justes de France, des Justes de France en Israël. Il y a là un moment fort et nécessaire. Car si seulement un quart de nos compatriotes juifs ont été déportés, c'est notamment grâce à l'action courageuse de personnes non juives, qui, alors que certains détournaient le regard ou collaboraient activement avec les nazis,
ont eu le courage d'aider ceux qui étaient pourchassés pour le seul crime d'être nés juifs. Ils l'ont fait au péril de leur propre vie, souvent aussi de celle de leurs proches. Ils ont décidé de porter secours à des femmes, des hommes et des enfants qui étaient spoliés, humiliés, exclus, stigmatisés par le port de l'étoile jaune et mis au ban de la nation. C'est précisément ce que décida de faire Auguste Chabrol, en pleine conscience du danger encouru. Honorer les justes participe positivement au travail de mémoire. Mais je disais qu'il le faisait en conscience, en même temps, il le faisait comme un devoir. Je voudrais citer une anecdote. Il y a 4 ans, j'ai remis une médaille dans une maison de retraite à Saint-Saturnin-les-Avignon à une personne qui était toujours en vie. Elle avait 93 ans. Elle avait donc sauvé des Juifs pendant la guerre. Et elle disait, je suis très honorée, mais je n'ai fait que mon devoir. Et le préfet de Vaucluse, qui a pris la parole en dernier, s'est adressé à elle en lui disant, mais madame, vous dites que vous avez fait votre devoir. Mais le devoir à l'époque, c'était quoi ? Suivre son cœur ou les ordres du maréchal Pétain ? Et donc, il a fait réfléchir beaucoup de monde. Le devoir de mémoire passe prioritairement par l'éducation. L'éducation des enfants, l'éducation des adolescents, c'est notre mission à l'éducation nationale. La distinction qu'a reçue le lycée Gustave Eiffel d'Aubagne traduit la reconnaissance du travail qui a été réalisé dans cet établissement sous l'impulsion de la communauté éducative locale et des personnels de l'établissement à cette époque, il y a 10 ans. Cette médaille et ce titre de juste parmi les nations n'a pas pour but de perpétrer la mémoire de l'horreur. Il a pour objectif et pour mission, au contraire, d'apprendre aux élèves à être vigilants, à défendre les valeurs démocratiques, à combattre l'intolérance. Son objectif est donc bien de prévenir la répétition ou la négation des crimes contre l'humanité. La connaissance des faits historiques et des lieux qui gardent la trace de la déportation et de l'extermination, tels que Auschwitz, tels que le camp des Milles, plus proche de nous, cette connaissance, elle est essentielle pour faire acquérir à nos élèves et à nos jeunes cette prise de conscience de cette sombre période de l'histoire et pour qu'elle ne se renouvelle pas. Auguste Chabrol accueille à Aubagne, pas très loin d'ici, une famille juive à partir de 1942. Il réussit à sauver Edgar Zmiro en le cachant. À mes yeux, historien de formation, et je regarde celle qui m'a formé en le disant, c'est un acte de résistance, c'est un acte de sauvetage. Et il y en eut beaucoup pendant cette période qu'est la Seconde Guerre mondiale sous le régime de Vichy. Cependant, quand on s'interroge, cet acte de résistance, qu'est-ce qui fait que ce soit aussi un acte juste ? Et là, on entre dans la personnalité qui fut celle d'Auguste Chabrol et qui est celle aussi de beaucoup de ces justes parmi les nations. Ces hommes et ces femmes qui ont caché des Juifs, qui l'ont fait, ça a été dit, au péril de leur vie, sans rien attendre. Auguste Chabrol n'a jamais demandé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale une quelconque médaille. Tout cela est resté secret pendant des années. Il a fallu que la mémoire, celle de sa fille, justement, conduise à faire ressurgir cet acte juste. Mais lui-même n'a jamais rien demandé. Je pense que s'il y avait une conclusion, une leçon à tirer justement de ce parcours, eh bien, elle est peut-être là. Il faut avoir une certaine conception de l'humanité. Il faut aussi avoir également du courage. C'est une valeur, je crois, qui peut être portée par l'éducation nationale. Je vous remercie. Juste parmi les nations, en hébreu, Chassid Umot Ha'olam, signifie littéralement généreux des nations du monde. Généreux, Auguste Chabrol le fut, en cachant pendant plus de 18 mois Edgar Zmiro dans son atelier, en mettant sa vie, sa propre vie, en péril pour sauver ce père de famille condamné par les nazis parce qu'il était juif. En même temps, grâce à des faux papiers, Annie Zmiro et les enfants parviennent, eux,
à prendre la fuite et à suivre dans les Ardennes et à survivre dans les Ardennes jusqu'à la libération. Durant la Shoah, le peuple juif en Europe a subi l'exécution d'un programme d'extermination totale. Le but monstrueux étant d'éliminer toute trace d'existence du peuple juif et de sa culture millénaire, de ses membres, de leurs âmes, de leurs biens et de leur patrimoine. Permettez-moi d'ajouter à la mémoire de cet homme profondément juste et bon, celle d'une autre Aubagnaise, Mireille Loz, la jeune postière résistante qui avait prévenu la famille Smiro de sa dénonciation à la Gestapo et qui mourut à 25 ans en déportation à Ravensbrück. Le souvenir de leur noblesse doit nous servir de guide. Ils font partie, pardon, ils font partie de ceux qui nous ont montré le chemin. Montrons-leur que leur courage, leur sacrifice n'ont pas été vains. Soyons-en dignes. Mesdames et messieurs, la cérémonie est maintenant terminée. Nous tenons à remercier l'ensemble des élèves de leur présence et de leur attention et nous les libérons désormais à l'exception des élèves membres du comité d'organisation que nous invitons à rester parmi nous. Donc on a co-écrit avec ma collègue Jenny, donc on a écrit tout ce qu'est, on a fait le discours, on a été aidés par nos professeurs, par Madame de Pressensé, M. Marchand, M. Kams, M. Obada, 3-4 semaines entre midi et 2, lundi, mardi, mercredi, jeudi, dès que possible. Voilà, tous les midis sur notre temps de pause. Donc en tout, on a fait une quinzaine de séances. On connaît très peu de choses de sa vie. Moi, j'ai recherché savoir ce qu'il était, parce que c'était un homme d'une très très grande culture. Et j'ai appris, en faisant des recherches, il sortait du grand séminaire. Donc c'était quelqu'un, déjà, avec une charité dite chrétienne, qu'il avait le cœur sur la main, ce bonhomme. Il s'est marié très tard. Il a fait le tour de France en tant qu'ébéniste d'art. Donc il avait quand même un sens de l'honneur, un sens du devoir. Et quand il connaissait Mireille Loz, quand Mireille Loz l'a averti que la famille Smiro devait venir les arrêter, la première chose qu'il a dit, allez hop, la famille Smiro à la maison. On n'a pas tous le courage. Si on avait eu tous le courage, il n'y aurait eu aucune déportation. Quoique, sur les 400 000 juifs qu'il y avait en France, je dis, il n'y a eu que 71 77 000, dont 14 000 enfants. Il est évident que si tout le monde avait collaboré, j'ai beaucoup d'indulgence parce que nous étions dans une période où les journaux étaient censurés, la radio était censurée, on avait très peu de téléphones. Quand je pense que mes parents ont mis 11 ans pour avoir un téléphone, il n'y avait pratiquement rien, aucun moyen de locomotion. C'était très difficile. Puis, on ne savait pas ce qui se passait, absolument pas. Et quand on vous dit, c'est vrai, on ne savait pas du tout, pas du tout. Et puis, les Juifs, quand sont venus en France, je connais bien l'histoire de Marseille, bien sûr, tous ces gens-là sont venus à 90% de la communauté était venue de Grèce, de Salonique, de Turquie, très peu d'Afrique du Nord à l'époque, parce que l'Afrique du Nord, il n'y avait pas de problème, avec le décret Crémieux, ils étaient très bien. Et puis ils sont venus en France, ils se considéraient, à cette époque-là, redevables à la France, de les avoir accueillis dans les années 20, 30, et donc ils ont été tout à fait confiant quand en 1941 on leur a demandé d'aller se déclarer juifs dans les commissariats. Ils ont été tout à fait normal en disant on est des protégés, on nous a toujours protégés, je ne vois pas pourquoi maintenant on ne nous protégerait plus. Et ça a été d'une confiance totale, totale.
absolument pas. Je vois quand ma famille a été déportée, ils sont partis à Drancy. Ils nous ont envoyé des cartes au moment où ils ont été de Drancy, ils sont partis à Auschwitz. On a reçu une carte en disant on s'en va en destination inconnue, mais ne vous faites pas de mauvais sang, on va pour travailler. Vous ne savez pas du tout ce qui leur arriverait. De mon cousin, quand il est arrivé à Marseille, je vous montre la photo, il est arrivé avec son costume rayé, quoi, avec une valise, une boîte, c'était un genre de boîte en bois. Et quand il s'est aperçu qu'il y avait lui, il a eu la chance de ne pas faire la marche de la mort. La première chose qu'il est allé, il est allé chercher à manger, et vous savez ce qu'il a ramené, lui, d'Auschwitz ? Un violon. T'as cherché de la bouffe, il a vu un violon qu'il a ramené, parce qu'il jouait du violon, il a ramené un violon d'Auschwitz, la seule chose qu'il a ramené. Et quand il est arrivé dans notre famille, quand il a commencé à parler, en disant qu'il a... les tantes et tout ça, qui lui dit, mais nous, ici, à Marseille, il fallait faire la queue pour avoir le pain. Quand il a vu ça, il est terminé. Madame Thérèse Martin, là, qui était là, quand elle est retournée aussi, pareil, elle est arrivée au Lutetia, les gens sont venus, vous savez, avec des photos, vous savez, est-ce que vous avez vu ma fille, Alors, elle, tout à fait naïvement, lui dit, mais comment, quel âge elle avait? Elle avait un enfant, elle ne l'attendait plus, elle a été gazée. Les gens disaient, on nous prenait pour des folles. On prenait pour des folles. Qu'est-ce que c'est ces folles qu'on a... Alors, ils se sont renfermés, ces gens-là. Ils se sont renfermés. Et puis, il a fallu les négationnistes pour arriver à que c'est déboulonné, qu'ils puissent se sortir de là. Et Madame Zemiro, elle s'est battue pour pouvoir faire avoir cette médaille des justes. C'est une période sur laquelle j'avais des connaissances. Maintenant, j'en ai encore plus. Donc, pour la culture générale, tout ça, ça fait pas de mal. Et pour moi, c'est une fierté d'avoir pu justement réaliser ce discours, d'avoir pu parler avec des gens issus donc justement de tout ce qu'on a appris dans les livres d'école, tout ce qu'on a lu dans les manuels. Et d'avoir parlé avec des gens qui ont vécu ça, pour moi, c'est une bonne expérience. Et comme l'ont dit tous les orateurs qui ont passé, on peut pas oublier cette chose-là, c'est pas possible, on peut pas rentrer dans l'oubli, c'est impossible, impensable en plus pour les gens comme nous qui avons connu, qui ont été meurtris dans notre chair, en fait, c'est pas possible, parce qu'après nous, qu'il va y avoir. Si nous n'arrivons pas à transmettre à la jeunesse nos ressentiments, c'est nos ressentiments sans haine, hein, parce que ce n'est pas une question de dire de haine, de revanchard, non, mais il faut savoir. Il faut que ce soit une mémoire collective. Cette mémoire collective, elle ne peut être transmise que par la jeunesse. C'est tout. Aujourd'hui, des personnes comme ça, il n'y en a plus des masses. Après, c'est entre guillemets normal. Mais c'est pas quelque chose que ferait tout le monde de manière naturelle. C'est un acte premièrement un acte de bravoure, et c'est vraiment grâce à des hommes comme ça justement qu'on arrive à avoir un patrimoine riche dans tout ce qui est culture de l'humanité, tout ce qui est dans nos valeurs, nos principes. C'est grâce à des hommes comme ça justement qu'on a réussi à se les créer et à les inculquer.